Hein, et pas faire de bêtises. Ouais, on va faire comme ça sera plus simple. Hop, hop, hop. Hop. Regardez, c'est joli, hein. Alors, on va déjà regarder un petit peu ça. Alors, vous voyez, on a eu du bleu ici. Après, c'est du beau level, par contre, par rapport à la dernière fois, j'avais eu du level entre la première fois entre le 35 et 37. Là, bon, on est sur du 40. Bon, je suis level 45. Hein. Bon, on a quand même du 34 ici. Bon, la petite SMG, petit pistolet mitrailleur. On va avoir en dernier. Non, par contre, le lance-roquette, il est plus faible que celui que j'ai. C'est normal, c'est un violet. Celui que j'ai. Voilà. La SMG. Ouais. Alors, SMG, pareil. Hop. Elle est plus puissante que celle que j'ai dans la main, donc c'est plutôt pas mal. Ah, ça on l'a déjà vu. Là vous voyez un beau flingue quand même, un 280 avec les dégâts 31%. Ouais, il est plutôt sympa, même si c'est qu'un level 34. Non, un level 40. Bon, après le bleu, tout de suite moins intéressant. Ce sera plus pour la revente celui-là. Ah, elle a un beau fusil à pompe là quand même. Hein. Oh, il est vraiment. Ah oui, c'est normal, d'accord. Ouais, c'est un usual carnage. En fait, le carnage, c'est un peu comme dans le 2. Le 2, le carnage, en fait, ça envoie des genres de munitions explosives hein, qui vont très doucement. Mais là, bon, le carnage, en fait, dans le 1, en fait, c'était les prémices. Et lui, ça envoie des roquettes, carrément, quoi. Regardez. Ouais. En fait, c'est les prémices, hein, comme je disais, du carnage du 2 qui lui envoie des balles explosives dans celui-là. Ça, il aurait même. Enfin, voilà, c'était les prémices. Donc là, c'est des roquettes. Par contre, quand la roquette elle touche, je peux vous dire qu'elle fait très très mal. Ouais, celui-là aussi, il est plutôt sympa. Le Desert Shotgun. Bon, là, ici, on a du Jacobs. Bon, alors, Jacobs, plutôt pas mal quoi. C'est vrai, dans le fond, je suis bête, je vais tous vous les. On va tous regarder un petit peu comme ça, vite fait. Ouais, sympa, cadence de tir correcte. Ouais, cadence de tir légère, mais du coup, je suppose les dégâts assez élevés. Hop, allez, un Reaper. Ah, ceux-là, ils sont plutôt pas mal parce que, en général, ils font du feu presque à chaque fois. Là, ils disent. Ah, mais bon. Les Reapers. Plutôt pas mal. Alors non. Plutôt pas mal aussi celui-là. Mais je l'ai fait beaucoup de dégâts. Voilà, le problème c'est ça. Par contre, il tire voilà, il tire deux munitions à chaque fois, pas tellement précis mais bon. Alors l'acide contre. Oh, celui-là il est pas mal. Celui-là il fait pas beaucoup d'acide apparemment. Voilà, une. Mais au niveau cadence de tir. Hein. Ouais, j'étais gâté sur les SMG là. Voilà. Oh, cadence de tir aussi tout à fait correcte sur celui-là. Là, qu'est-ce que nous avons? Combat Rival, on dirait Moxie. Ouais, ils sont pas mal, ils sont. Ceux-là, je les aime bien, c'est fait. Ils ont vraiment deux styles différents. Dans Borderlands 1, c'est les fusils d'assaut, c'est ceux avec une énorme cadence de tir. Et puis enfin, une énorme cadence de tir. Avec une voilà très rapide comme là, plus ou moins précis, mais c'est par rafale. Et après vous avez ceux que là que j'ai dans la main, où vous avez plutôt un chargeur plutôt assez conséquent et qui fait d'énormes dégâts. Voilà. Bon, celui-là je l'avais déjà, hein, je vous rassure. Ça c'était à moi, ça aussi. Voilà, on était là-dessus. Ouais, plutôt pas mal aussi. Bon, pas de viseur sur celui-là. Tiens, un électrique. Bon, par contre, c'est toujours du 1.
Ouais, d'accord. Alors oui, c'est du coup par coup. Je comprends pas pourquoi on appelle ça un fusil d'assaut. Parce que c'est du coup par coup. En violet, tiens, un petit fusil à pompe. Chargeur tout à fait louable. Mais vraiment impressionnant. À essayer. Fait peut-être un peu moins de dégâts, mais... Bon, par contre, au niveau rechargement, c'est un peu léger, la vitesse. Un sniper électrique. Par contre, la cadence de tir, c'est, ouais, c'est du Jacobs, quoi. Si je dis pas de bêtises. Non, même pas, c'est du SS. D'accord. Ce que j'allais dire, il faut... Elle est plutôt... Oh là, celui-là... Celui-là au niveau visée, précision et puis rechargement, celui-là est tout à fait correct. Ça c'est un dalle, ouais, ouais, il est plutôt pas mal. Alors ensuite on a récupéré un fusil à pompe encore. Oh, par contre que deux munitions, mais moi je suis pas fan. Je suis pas fan, je suis pas fan. Je pense à... Ouais. Ah, il est plus puissant que mon ancien dalle. Le problème, c'est que deux munitions, quoi. Ah, il est vachement plus puissant, même 925 x 9, avec un dégât multiplié par 70. Ouais, voilà, il est vachement plus puissant, quoi. Ça, c'est clair. Donc, je vais le garder. Je vais peut-être même l'essayer. Ouais, on va me le verrouiller, sûr. Mais deux munitions, c'est un peu léger. Qu'est-ce qu'on a après un Desertion Gun? Ouais, plutôt correct. Ouais, plutôt pas mal. Hein. Sachant que là pour l'instant j'ai pas d'augmentation de dégâts. C'est pas ce que j'ai mis avec, avec Brick. J'ai concentré vraiment sur son lance-roquette. Alors tiens, par rapport à celui que. Lui que j'allais garder, ouais, il est moins puissant, ouais, beaucoup moins puissant même. Ouais, celui-là il va finir à la poubelle. Enfin bon, de toute façon c'est ce qui va se passer en général avec tous les bleus, quoi. Hein. Parce que quand on a du violet, ouais. Et puis allez. Le dernier, le légendaire. Ah, c'est, on a eu quoi alors? Désert Vilcat. Un félin idéal au corps à corps. Il me semble que je l'ai déjà. Peut-être pour level 34. Après, en voyant un petit peu ce qu'il a de précis. Ouais, d'accord. Hein. Il n'y a aucune visée, ce flingue. Regardez les impacts. Oh, le truc de malade. Il n'y a aucune visée. C'est du corps à corps, en fait. Hein. Bon, c'est bien ce qui était écrit. C'était bien ce qui était écrit. Ils n'ont pas menti. Hein. Mais regardez. Hein. Ils dessinent un truc ou quoi? C'est pas possible à ce niveau-là. Non, ils dessinent rien, mais. Je sais pas, et encore. Non, il dessine rien. Parce que bon, limite, ça pourrait être marrant, mais. Comme certains flingues de Borderlands 2. Mais non, lui, non, il tire n'importe comment, c'est tout, quoi. Ouais, c'est un fusil d'assaut, mais. Enfin. Une SMG, mais qui est faite pour tirer au corps à corps, quoi. Une arme qui finira dans mon inventaire, juste pour le plaisir de la collectionner. Bon bah voilà les amis, vous avez pu voir un petit peu, je pense vous avoir aidé sur le fait de comment gagner le plus d'armes dans l'armurerie. Officiellement, je parle bien, et de toute façon je ne vous montrerai jamais de vidéo qui ne serait pas du légit. Mais voilà, bon bah écoutez, je vous dis à très vite sur ma chaîne, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et puis à partager. Allez, salut, ciao ciao les brutasses.